Et what's up tout le monde, c'est Texas, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Blood Symphony, le serveur donc sur Minecraft. Et aujourd'hui je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que nous allons faire le premier épisode de bien la Terre Promise. La Terre Promise avec Cloud, la Terre Promise à ma faction. Et donc je vous retrouve au même endroit que je vous avais laissé la dernière fois. Ouh, le soleil est au zénith. Donc, on se retrouve donc dans la FOM qui a été vidée, on va dire. J'ai fait une petite entre guillemets, on l'a vidée là. Hein, il n'y a plus de coffre ici, comme vous pouvez le voir, et il n'y a plus rien dans les coffres. C'est juste au cas où j'en ai besoin pour stocker quelques trucs au passage. J'ai laissé les fours parce que je m'en sers quand même comme entre guillemets fonderie, si je puis dire. Donc aujourd'hui, on va arrêter de causer, on va arrêter de... Enfin non, on va pas arrêter de causer parce que je vais causer quand même, mais on va arrêter de faire patienter, de faire durer. Et on va rentrer direct dans le vif du sujet. Donc déjà, j'aimerais vous montrer donc tout l'avancement que j'ai fait depuis la dernière fois, vous montrer un petit peu ce qui s'est passé sur le serveur depuis la dernière vue que vous avez eue sur cet endroit. Oups là, je vais pas vous montrer trop par là-bas. C'est la surprise. Alors, donc premièrement, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait... Ici, donc c'est une petite home personnelle que j'ai fait bien pour pouvoir protéger un maximum tout ce dont j'avais besoin. Donc normalement, elle doit être solide et devoir tenir à quelques assauts. Enfin, je l'espère. On m'a dit qu'il y avait moyen de la crocheter, enfin du moins de la piller. Bon, pour moi, ça va être quand même un peu dur. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai faite parce que ça peut vous intéresser. Donc, on va aller voir ça de plus près. Le Yamakasi. Donc, vous voyez, c'est un cube, du moins plutôt un rectangle cubique si vous préférez, qui fait du 21 sur 17 si je me rappelle bien, et avec une couche de 3 d'épaisseur d'obsidienne. Donc c'est en fait c'est ça qui m'a pris du temps, c'est pour ça que vous avez eu une longue attente entre les deux vidéos. C'est-à-dire que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à miner cette obsidienne, même si je sais qu'il y a des modos joueurs que je remercie énormément, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, tous ceux qui m'ont donné un petit peu d'obsidienne pour avancer ça, dédicace à vous, je pense notamment à Boo Gaming, tout ça, qui c'est qui m'a donné d'autres, Razen, bah ils sont là d'ailleurs, Rabou ici, Razen, tout ça, enfin bref, tous ceux qui ont aidé avec de l'obsidienne, bien merci beaucoup. Qui m'ont aidé à miner. Vous avez dû voir le petit bonus de la dernière fois avec Bou qui m'aidait à miner. Enfin, bref, à l'occasion, j'aimerais aussi remercier DC Creature qui m'a tout simplement aidé à débuter sur Serve. C'est grâce à lui que j'ai réussi à avoir des items légendaires comme ce sabre d'abordage. Enfin, légendaire. Ouais, c'est pas légendaire, mais j'en ai eu des légendaires, donc voilà. Bref, tout est à l'intérieur. Je vous propose de directement nous TP. Alors c'est très simple, on peut y rentrer que en TP, c'est logique. Voilà, donc, tintin, voici l'intérieur de cette magnifique base. T'es le mec pas trop vantard, enfin. Bref, voici l'intérieur de ma petite base. Donc vous pouvez voir qu'en haut elle n'est pas terminée. Voilà, il ne manque pas grand-chose, juste à terminer de remplir ici. D'ailleurs, peut-être de quoi... Non, j'ai pas de quoi ici. Normalement, je posais le psy ici. Peut-être ici. Non, non plus. Donc, je vais pas trop ouvrir les coffres, histoire de pas trop vous montrer ce qu'il y a dedans. Ce sera un petit peu la surprise au fur et à mesure qu'on construira. Je trouve ça plus intéressant. Je vais quand même vous montrer vite fait mon inventaire. Donc là, j'ai mon stuff quasiment pété, qui n'est même pas P4, par celui-là. Blast protection, d'accord. Et on a ici de quoi miner un petit peu. Vous comprendrez pourquoi après, parce qu'on va avoir de quoi faire. Et ici, je vous motive la sabre d'abordage, c'est vraiment pas. C'est juste pour être au cas où, hein, parce que normalement je me ferai pas attaquer durant la vidéo, du moins si tout se passe bien. Donc c'est juste histoire de péter un petit peu la gueule au mob qui viendrait nous faire chier. Voilà. Donc, pour continuer sur l'intérieur de cette base, le but est tout simplement. Tiens, j'ai reçu un message. Non. J'avertis que je suis en vidéo. Donc tout simplement... Ok. Oui. Ok, donc... Pour l'organisation des coffres, c'est très simple. On fourre tout comme ça, dans le bordel. C'est la technique du jour. Donc comme j'ai pas cette place, j'ai tout foutu en... Vous allez me dire, j'ai pas cette place. Mais pourquoi n'as-tu pas cette place? Et vous comprendrez après.
Donc voilà, j'ai tout foutu en bordel, donc ça sert à rien que je vous montre maintenant, vous découvrirez bien plus tard dans les vidéos. Hop, on va retourner à notre petite FOM pour vous montrer bien le projet. Le projet, c'est quand même le plus important, j'ai envie de vous dire. Donc allons voir ça de plus près. Et pour le projet, j'aurai encore une petite dédicace à faire. Notamment à une personne, je crois, qui ne fait pas de vidéo sur YouTube, mais quand même, j'ai envie de faire la dédicace. D'ailleurs, cette personne, elle devait faire une vidéo avec moi aujourd'hui. Enfin, j'aurais eu envie de l'inviter dans mes vidéos, je sais pas si elle aurait été d'accord. Mais malheureusement, elle n'a pas pu être là ce soir, donc tant pis, mais je fais la vidéo quand même. Peut-être pour une prochaine fois. Donc, pour temporiser un petit peu, je vous propose de ramasser les pastèques, voilà. Et là, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, certains ont peut-être une idée, ceux qui sont habitués au serveur PVP faction. Eh bien, il s'agit tout simplement de 4 claims, enfin 4 chunks. J'ai pris un peu de temps avant de comprendre la technique du claim et j'ai fini par me décider sur le projet qu'on allait faire. Donc, en fait, je vous explique. On va faire une base intérieure, si vous voulez. J'ai vite compris qu'une base extérieure, même avec des claims, c'était très facilement pétable et puis ça aurait servi à rien de la faire, on serait vite fait niquer. Donc on va faire une base intérieure et ensuite on fera une belle tour au-dessus de ça là. Qui sera vraiment, j'ai vraiment, comme je vous l'ai dit, de grosses ambitions. Donc pour l'intérieur, on va faire un truc. Pour le moment, je partirais bien sur du steampunk, une sorte de fantasy médiévale. Mélanger un petit peu à du moderne, enfin vous allez voir, on va un petit peu faire un peu de tout. Je suis pas encore très sûr de ce que je veux faire, mais j'ai de l'idée, j'ai des idées. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer ce qu'on a fait ici avec Monsieur Fanatic, le Fanamanga, que je remercie beaucoup puisqu'il m'a vachement aidé pour le projet et peut-être qu'il m'aidera encore, je pense. Et tadam, voilà, comment miner comme négroport. Donc, si je nous faisons le calcul rapidement, il y a plus, ouais, je pense qu'il y a peut-être 30 000 blocs à miner là-dedans. Donc, ce sont 4 chunks de 75 blocs de hauteur et du 16 sur 16. Donc, en gros, voilà, vous faites 16 x 16. Vous, tiens, bon, on va le faire directement. Vous savez pas quoi, j'ai envie de le faire. On fait. Du 16, attention, calculatrice, on fait du 16 x 16, ce qui nous donne du 256, évidemment, je le savais. Et nous faisons du 256 fois 75, puisqu'il y a 75 hauteur, et nous faisons du x 4. D'accord, donc nous avons 76 800 blocs à creuser, c'est parfait, on va bien se faire chier. Voilà, mais je pense que ça paiera. Donc, vous voyez qu'on a bien entamé le projet. Bon, on va aller voir en bas, histoire de vous montrer un peu plus près. Hop, tac, on prend la source d'eau. Oh, il y a du slime ball, parfait. J'entends des slimes. Je pense que vous aussi. C'est juste ici. Ouais, enfin bref. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a fait une petite. On a gardé une plateforme d'eau parce que. Le modérateur et justement mon ami Fana se sont amusés à faire des sauts de minecart dans ce petit lac. Mais sinon voilà ce que ça donne, ça fait tout ça, donc il va falloir qu'on fasse 4 fois tout ça. Et ensuite on pourra remplir sur les côtés. Donc je vous explique la technique qu'on m'a donnée. Hop, une couche de. Attendez, je vais me rappeler. Une couche de sable, une couche d'eau et une couche de. D'obsidienne, donc rassurez-vous, on va pas faire l'obsidienne à la main, hein, parce que là pour le coup ça prendrait des mois. Mais apparemment, il y a une technique qu'on va me montrer qui permet de faire tout un mur d'obsidienne d'un coup. J'espère qu'elle fonctionne parce que sinon on est vraiment dans la merde. Donc on va de ce pas remonter, puis on va entamer un petit peu le duminage. J'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les avancements. Voilà, c'est chose faite. Et puis pour finir un petit peu, on va, enfin pour finir non, pour continuer, on va un petit peu miner. Donc la technique de minage, c'est le bourrinage et remplir les coffres ici quand on est full entre guillemets. Voilà, c'est parti. Donc oui, le projet, ce sera vraiment de. J'ai pris des dégâts, merci beaucoup. Le projet, ça va être de faire vraiment un truc gros, comme vous pouvez le voir.
Et vous remarquerez que je mine avec une seal touch, c'est, vous vous en doutez, pour justement avoir de quoi après décorer. Parce que, hop, voilà. Ce sera un des éléments, je pense, les plus présents dans cette base, la stone brick. La stone brick, je crois que ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Ouais, stone brick. Ce sera un des éléments esthétiques qui sera à l'honneur dans la base. Je pensais faire un système, en fait, si vous voulez, d'étage, c'est-à-dire que en bas on aurait les piliers qui soutiendraient toute la structure. Enfin, ce serait une sorte de, ouais, de soutien. Et en dessous, ensuite, plus en haut, j'avais une idée, c'est-à-dire que on pourrait faire une sorte de petit village, pas vraiment un village, mais si vous voulez, des maisons qui sortiraient de des côtés comme ça. Et qui viendrait en fait juste avec leur toit, ça créerait une maison si vous voulez. Enfin, j'ai un peu dû m'expliquer comme ça, mais en fait, on ferait des maisons en l'air qui seraient accrochées à la paroi comme ça, et ensuite on pourrait rajouter même des plateformes de terre et tout ça qui sortiraient et tout ça. Enfin bref, on pourrait faire un peu un truc de ouf. Mais ensuite, en bas, tout en bas, j'avais eu l'idée de faire une petite salle des coffres. Enfin, même une grande salle des coffres, avec un système de piliers, tout ça, qui serait en fait enfin, le soutien de la structure. Je pense que ça va être un projet qui va durer un petit bout de temps, enfin, c'est même sûr, mais sûr et certain. Cet épisode-là va être un épisode qui va arriver normalement, ça va être mercredi. Aujourd'hui, nous sommes lundi, je me suis permis de faire cette vidéo parce que j'ai un peu de temps. Mais normalement, il vous sera posté le mercredi. Donc, si vous l'avez mercredi, normalement, normalement, je dis bien, un épisode de La Clayson Adventure ne devrait pas tarder à vous arriver vers samedi, je pense. Enfin, selon Cleewood. Et comme ça, on tiendra un rythme pas mal. Oui. Donc, faut que je vous parle du rythme aussi des vidéos. Normalement, si tout se passe bien, ça fait combien de fois que je dis normalement? Enfin bref, si tout va bien, on devrait vous faire 2 vidéos par semaine. Je trouve ça pas mal, franchement. Ça fait une vidéo chacun, et si jamais on veut, si jamais on est déterminé qu'on a le temps, on fera sûrement des petites vidéos à deux, du style, je sais pas, peut-être bien on va recommencer du T-World, ou alors, je sais pas, du Minecraft, pourquoi pas la suite de la série de Jump, je sais plus exactement le nom. Je sais plus le nom de. Pas de la série, mais du. De la map. Enfin bref, du parcours, tout ça, on vous fera un peu de tout. Mais pour le moment, c'est vrai que moi je vais être pas mal concentré sur ce projet. D'autant plus que, comme vous pouvez le voir, c'est très long. D'ailleurs, on va tout de suite miner avec votre efficiency 4. Parce que là, je prends bien du temps. Hop. Donc là, j'ai une efficiency 4, hein, vous voyez. C'est génial. Il y a intérêt à ce que leur technique avec de l'eau et de la lave pour recouvrir les murs de obsidienne marche, hein. Sinon je rage quitte. Je rage quitte clairement. Mais bon, pour revenir sur Fanamanga, c'est vrai qu'il est. C'est un peu un vétéran du serveur, puisque ça fait un petit moment qu'il est dessus et il s'y connaît pas mal en tout ce qui est claim et surtout les bases optiques comme ça, c'est. Ça a l'air d'être dans ce registre. Dans son registre. Donc voilà, merci à lui, et puis grosse dédicace à tous les modos joueurs du serveur. Sauf ceux que je connais pas, comme Tireur et Dark Raphaël, là, je sais pas du tout qui c'est. Voilà. Eh bien, re tout le monde, on se retrouve donc après cette petite séance de minage que je n'ai pas décidé de vous laisser parce que. Ce n'est pas très intéressant. D'ailleurs, à l'occasion de cette petite ellipse, je suis allé dormir. Tout simplement, voilà, je n'ai pas eu le temps de finir la vidéo hier soir, donc là nous sommes le mardi matin et je vous fais la suite. J'ai la chance d'avoir le temps. Donc, on va tout de suite ranger ce qu'on a trouvé là-dedans. Vous voyez que ça va, je suis plutôt calé en stone. Donc, hop. Je vais en foutre ça avec, comme ça. Alors, bah, je vous propose d'aller faire un petit co-spawn
pour vous montrer un peu le spawn, tout ça. Je sais pas trop si je prends cette fois-ci. Allez, on y va vite fait, juste pour voir. Et puis voilà. Ah tiens, j'aurais dû prendre un bâton de blaze, effectivement. Tant pis, tant pis. Donc, pour faire un petit tour du spawn, voilà. On spawn ici. Là, vous avez de quoi acheter une blaze rod qui sert à faire des sorts de sorts magiques si vous avez Merlin. Il y a deux sorts gratuits si tu en veux d'autres, achetez-en sur le site. Donc il y a un site slash boutique, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc coffre démon reçoit des cadeaux aléatoires toutes les heures. Et putain, pour acheter des grades, fait slash boutique. Donc en fait, démon, c'est les gens qui sont en bleu, mais comme vous voyez, on est le matin. Donc il n'y a absolument personne, c'est assez rare d'ailleurs. Et coffre, encore un coffre démon ici. Tiens, slash warp shop, pourquoi pas. Explore les alentours du spawn pour trouver des trésors cachés. Ok, alors ce qu'on va faire. C'est que je vais vous montrer ce qui est marqué là, news. Oh, donjon ultime qui est sorti. Parce qu'il y avait une mage sur un donjon ultime. Donc le but un petit peu dans le serveur, c'est de faire des PvP actions, du PvP, tout ça. Et aussi de faire des donjons. Donc je vais aller vous montrer un petit peu. On va faire une brève présentation des donjons. Hein. Ce sera juste pour vous montrer rapidement. Tiens d'ailleurs, au passage, je vais vous montrer un petit peu les... Là, c'est le... Farm zone pour les grades élite et ici pour les grades démon, je crois, oui, démon. Et ici c'est le Nether. Voilà, donc le Nether il est accessible qu'à partir d'ici, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire un portail du Nether. Dommage, mais bon, c'est normal, en même temps ça ferait des un peu trop de bugs. Donc le kit guerrier. Ah oui, voilà. Donc il faut faire il faut cliquer là-dessus. Clic droit ici et on a une téléportation aléatoire. Donc ça c'est très utilisé pour ceux qui veulent trouver les tout simplement les bases, parce que vous faites ça, vous activez votre slash F map on, du moins c'est une technique qu'on m'a expliquée, et ensuite vous allez chercher les bases. Alors, il y a une certaine technique à employer, j'imagine que certains la connaissent. Donc ici vous avez entre guillemets le zone, tiens, je pourrais aller lui défoncer sa race à lui, mais ils sont deux, je crois. Ils sont deux, il y en a un dessous. Ah non, c'est un garde, d'accord. Ah, j'ai jamais fait attention, ça en fait. Ah, c'est pas mal ça, j'avais jamais fait attention. What the fuck, putain, la vache, 191 connectés atteint le 24-12-2014. Sérieux? Les gens sont venus pour Noël. Très bien. TP loin d'ici. Ok. Alors, je vais vous montrer quand même d'abord le l'Under Chest qui se trouve ici. Oh là là. Génial. J'avais complètement zappé ça. D'ailleurs, merci à Sonic pour cette donation. Parce que c'est Sonic PVP qui m'a donné ça. Donc, slash home. Car lui aussi fait un projet de 4 chunks comme le mien, et du coup il a récupéré pas mal de ça. Tac, on va mettre ça là. Voilà. D'ailleurs, je vais aussi poser ma pioche juste au cas où. Ici. Et on va y aller. Tiens, d'ailleurs, ma pelle ne me servira non plus. Rien du tout. Tac. Voilà. Donc. C'est parti. On y retourne. Donc on se retrouve donc dans le shop pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc on a pas mal de choses disponibles. C'est-à-dire que j'ai. Hop. L'émeraude, ça coûte 3000. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de possibilités d'achat. Et vous voyez, vous pouvez également vendre ce que vous avez. Donc. C'est pas très worse, hein, je vous le dis direct. Par exemple, je sais pas, il n'y a pas un beacon quelque part. Je crois qu'ils vendent même pas de beacon. Ah si, excusez-moi, putain, il était juste devant moi. Voilà, 2000 et 5000, vous voyez. Enfin, 20 000 et 5000, c'est plutôt maigre. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite ce que j'ai. Parce que j'aimerais bien acheter un beacon. Ouais, ok. J'achèterai pas de beacon. Donc, adieu. Donc, pour vous faire de l'argent, ce que je vous conseille vraiment, vous vendez masse émeraude, vous voyez.
Vous trouvez l'émeraude et vous vendez masse émeraude. Vous trouvez le diamant, vous le vendez, parce que, quoique. Ouais, si vendez-le. De l'or, vous le gardez. Vous pouvez vendre du charbon. Si vous en avez en masse, vous pouvez le vendre, ça. C'est assez worth. Le lingot de fer aussi, mais vraiment, l'émeraude, c'est la base, quoi. Ne vendez pas de ça sert à rien. Ça, c'est pareil, ça sert à rien. Vous pouvez éventuellement vendre des tables d'enchant, mais par contre, vous aurez un peu le seum, il faudra les faire, quoi. Et les enderperles, vous pouvez les vendre, franchement. Parce que si vous en trouvez en masse, voilà. Donc, je vais vous laisser sur ce petit shop. Je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure. Sûrement qu'il y a un gros laps de temps entre les deux épisodes, mais c'est parce que vous avez vu, il faut que je finisse mon gros trou. Donc, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, et salut tout le monde.